Salut Nils. Salut. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur Comptoir AI pour le troisième épisode, mardi 1er février. Trop content de te recevoir, Nils, docteur Nils Chaetti. Toi, tu es chercheur, en fait, à l'université. Et tu es passionné d'AI, de machine learning. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Artificialis Code, qui fait des vidéos géniales Merci. pour vulgarisation, mais il faut quand même s'accrocher. Mais en même temps, quand on voit la difficulté de certains outils aujourd'hui à utiliser, je recommande à tout le monde de passer par là. Et Nils, peut-être pour l'audience, peut-être que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais plus précisément aujourd'hui. Oui, alors moi je suis chercheur donc en machine learning ou en intelligence artificielle. C'est une partie de mon travail. Alors, je suis pas chercheur enfin, j'étais chercheur à l'université il y a de ça un an. Maintenant, je suis chercheur dans une école de management. D'accord. C'est une partie de mon travail parce que je suis aussi enseignant. J'enseigne le machine learning. Je donne un cours, en fait, chaque semestre dans ce domaine-là. À côté de ça, effectivement, j'ai cette chaîne YouTube que j'ai commencé depuis. Alors, je l'ai commencé il y a quelques années, j'ai fait quelques vidéos, ensuite j'ai arrêté parce que je faisais ma thèse, que je me suis concentré sur ma thèse, et puis depuis à peu près à la fin de l'année dernière, ça fait pas longtemps, je m'y suis remis. Alors, j'ai eu de la peine à définir vraiment le. Il y a eu ta thèse, mais il y a eu aussi maintenant un renouveau des nouveaux outils, nouvelles Exactement, règles. c'était une occasion, et donc. Le sujet de ma chaîne, c'est vraiment c'est l'intelligence artificielle. Là, c'est effectivement une occasion parce qu'il y a eu la sortie de ces outils-là. Alors, je fais principalement des vidéos qui expliquent comment utiliser ces outils, plus précisément de génération d'images. J'ai eu un rythme assez soutenu en fait, fin de l'année dernière. Moi, après, ce que je vise plus, c'est faire des vidéos vraiment de vulgarisation où j'explique comment marchent ces modèles et comment marche l'intelligence artificielle, comment marche le machine learning. Donc là, je vais un peu ralentir le rythme. Je vais toujours sortir peut-être une ou deux vidéos par mois qui expliquent des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Mais là, je suis en train de préparer des vidéos qui sont plus axées sur la vulgarisation, de manière générale, principalement sur ChatGPT et sur les outils de diffusion. Ah, trop bien. Ah, ok, écoute, super, je vais regarder ça avec attention. J'encourage tout le monde sur la chaîne à regarder tes vidéos parce qu'au niveau francophone, moi j'ai passé toutes les vacances de Noël à regarder des vidéos. Au niveau francophone, sur ces outils, j'ai vraiment rien trouvé de mieux, d'aussi fouillé. Cool, merci. Même le montage et la mise en scène de la vidéo est top. Et on est sur des sujets qui sont de temps en temps pas évidents, donc on est content d'avoir un expert comme toi. Merci. Eh bien, écoute, trop bien. Je voulais te poser un petit peu une question, Nils. C'est justement aujourd'hui, donc comme on le disait, ça fait quelques mois qu'on parle d'une nouvelle intelligence artificielle, d'une intelligence artificielle générative avec ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, des OpenAI, évidemment, les noms qui reviennent très souvent. Qu'est-ce qui fait cette révolution, d'après toi? Tu veux dire qu'est-ce qui a amené à cette révolution au niveau technologique? Ouais. Il y a plusieurs facteurs. Nous, on parle dans la recherche, on parle effectivement de modèles génératifs, comparé à des modèles ce qu'on pourrait appeler discriminants, c'est-à-dire qui vont, par exemple, classer des données. Les modèles génératifs, c'est sorti effectivement, ça fait quelques mois en fait qu'on les voit, mais en fait, ça fait des années, voire des dizaines d'années en fait que la communauté scientifique de l'intelligence artificielle travaille dessus. Avant, là, on a eu ces derniers mois, c'est ce qu'on appelle les modèles de diffusion. Donc, c'est des modèles qui sont capables de créer des images à partir d'une description textuelle. Mais avant ça, on a eu ce qu'on appelait les GAN, ce qui veut dire les Adversarial Generative Network, Generative Adversarial Network, qui sont aussi des modèles génératifs. Et puis en fait, il y a plein de modèles génératifs différents qui fonctionnent de manière assez spécifique.
Mais là, ces modèles de diffusion en fait qui sont sortis parce que ils ont, c'est un peu toujours la même chose, hein. Ils ont été un peu en arrière-plan parce que c'était pas les méthodes les plus performantes. Et puis tout d'un coup, en fait, à cause de plein de choses, tout d'un coup, ils sont devenus super performants et ils sont tout d'un coup été mis sur le devant de la scène. Mais avant, juste avant les diffusions, c'était ce qu'on appelait les GAN. C'était vraiment le top du top en fait dans tout ce qui est génération d'images. Les GAN, par exemple, pour donner un exemple, c'est ce qui a été fait pour This person does not exist. C'est un site web qui génère des images de visage. Et donc, on avait ces GAN, c'était vraiment le top. Par contre, les GAN ont un problème, c'est que si ça marche bien pour ce site web, This person doesn't exist, c'est que les GAN, en fait, sont très, très difficiles à entraîner. Et puis, ils ne sont pas capables, c'est un des aspects qu'on veut, en fait, étudier avec les modèles génératifs, c'est ce qu'on appelle la diversité. C'est-à-dire créer une grosse diversité d'objets, d'images, etc. Les GAN sont très bons pour donner des choses réalistes. Par contre, il n'y a pas une grosse diversité. Donc, pour générer des images de visage, ça va. Par contre, pour le reste, ce n'était pas super performant. Et petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle les modèles de diffusion qui sont apparus. Et eux, ils ont, on peut le voir, ils arrivent à faire des images d'une très bonne qualité, mais ils ont aussi une très grande diversité. Parce qu'on l'a vu avec les modèles de diffusion, on peut générer absolument des images d'absolument ce que l'on veut. On fournit une description textuelle et puis bah, on va avoir une grosse diversité. Donc on a eu ces modèles-là qui sont apparus. Et puis, d'une manière générale, bah, qu'est-ce qui a amené en fait à ce que ces modèles deviennent performants? C'est un peu la même chose que l'intelligence artificielle de manière générale. C'est l'augmentation de la puissance de calcul. Donc, on a aujourd'hui des très gros, ce qu'on appelle des GPU, donc qui sont utilisés pour faire du calcul parallèle. Normalement, à la base, c'était pour les jeux vidéo, mais en fait, c'est les mêmes opérations qui sont faites dans les réseaux de neurones. Donc, énormément de puissance de calcul et puis une très grande l'accessibilité aux données qu'on trouve sur Internet. Et on a besoin de beaucoup de données pour entraîner ces réseaux de neurones. Et par exemple, bah, les modèles génératifs, comme les modèles de diffusion, comme Midjourney, Stable Diffusion, et bah, ils sont entraînés sur des milliards d'images. Et donc, si vous mettez tout ça, si tu mets tout ça, en fait, tu mets la puissance de calcul, la disponibilité des modèles, des données, et puis vraiment ces nouveaux modèles, en fait, on avait plein de petites innovations, en fait, qui ont été faites sur ces modèles, bah, on arrive à la capacité qu'on voit ces derniers mois, c'est-à-dire celle de pouvoir générer des magnifiques images. Alors, je comprends bien, on a vu fleurir donc ces solutions donc, par même temps de Stable Diffusion, de DALL-E, de Midjourney. Mais donc pour les modèles de génération de texte comme ChatGPT, ça vient du même endroit? Alors, ce n'est pas exactement les mêmes méthodes, dans le sens où ce n'est pas les mêmes modèles, parce que là, on génère du texte, alors que avec Stable Diffusion ou les modèles génératifs d'images, bah, on fait de l'image. Donc, ce n'est pas le même mode de fabrication, mais les méthodes, on va dire, le principe qui est celui du machine learning, derrière, il reste le même. Et la capacité, les facteurs qui ont fait apparaître ces capacités-là, ces modèles-là, sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est la capacité à, c'est la disponibilité d'une énorme quantité de texte en fait pour faire apprendre ces machines. Et puis, effectivement aussi la puissance de calcul, parce que des modèles, par exemple, comme ChatGPT, en fait, dans les réseaux de neurones et dans tous les modèles en machine learning, on a ce qu'on appelle des paramètres. Les paramètres, c'est ce qu'on va bouger. Ce qu'on va essayer de trouver pour essayer de rendre les modèles plus performants. Donc, on va leur On faire apprendre et entend on oui, va essayer les de. paramètres de Exactement. GPT-3, GPT-4, GPT-3, Exactement. 175 milliards de paramètres. Voilà. Donc. Donc, on a ces petits boutons sur la machine, puis on essaie de trouver la bonne position qui va en fait faire que la machine devienne de plus en plus performante. Et puis, plus on en a, plus la machine est performante. Alors, ce n'est pas pour autant qu'elle va forcément être plus performante parce qu'on ne peut pas juste se baser là-dessus. Mais on a des modèles, oui, ChatGPT, non, je crois que c'était GPT-3, la plus grosse version à 100, 175 milliards de paramètres. Donc ça donne quand même une idée, ça fait une très très grosse machine en fait. Et ça, pour ça, il faut faire en fait des capacités de calcul qui Et sont long et absolument énormes. coûteux à entraîner, bien sûr. Et alors ça, on en reviendra sur le côté peut-être plus business.
dans lequel je suis pas, j'ai peut-être le moins apporté parce que c'est là où j'ai le moins de connaissances. Mais c'est aussi ce qui rend, par exemple, on a beaucoup parlé de Google qui serait effrayé par ChatGPT. C'est aussi une sorte de un très gros inconvénient de ces modèles, en fait. Tout à fait, qui peuvent coûter cher. Juste avant d'aller sur le business, sur la notion de transformer, elle est commune à tout ce dont on vient de parler. Les transformers, oui, les transformers, c'était vraiment une très grosse innovation dans ce qu'on appelle le NLP, donc le traitement du langage naturel. C'est des modèles en fait qui sont assez généralistes, c'est-à-dire qu'on peut les entraîner pour beaucoup de choses, qui prennent en fait en entrée du texte, et puis tu peux, je sais pas, faire de la classification, tu peux faire de la génération, etc. Et en fait, c'est vraiment une brique centrale dans plein de modèles. Donc, on a eu les Transformers, après, on a eu ce qu'on appelait BERT. Les BERT, c'est un modèle qui s'est décliné dans plein de choses différentes. Ça a été inclus ensuite dans GPT, GPT-1, 2, 3, etc. C'est très certainement inclus dans ChatGPT. Donc, oui, c'est une base. Et il ne faut pas oublier que même dans les modèles de diffusion, hein, Stable Diffusion, probablement Midjourney, on utilise du texte pour faire la génération. Et qu'il faut traiter du texte. Mais dans le traitement du texte, bah, y a des transformers. Donc les transformers sont aussi là. Ok, très bien. Ok, super. Donc écoute, c'est très clair. Peut-être pour aujourd'hui, pour resituer un tout petit peu le paysage des acteurs, on a donc aujourd'hui les GAFAM, Google avec DeepMind, Google qui a inventé le Transformer. On a Facebook, donc Meta aujourd'hui, avec des Galactica, mais apparemment plein d'outils aussi, photos, vidéos. On a Amazon avec des serveurs AWS, en tout cas, qui permettent de faire tourner ces modèles. On a Apple qui travaille sur ses propres chips, ses chips d'intelligence artificielle. Et après, on a des acteurs comme OpenAI avec ChatGPT, DALL-E, ou encore un acteur comme Stable Diffusion qui fait un peu tout volontairement, mais qui est aussi, mais qui est très connu en tout cas pour ses travaux sur la photo, la vidéo. Comment est-ce que tu vois ce paysage bouger? Tu penses qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin encore de... Enfin, ça va se passer vraiment entre les grands acteurs qui vont être très avantagés par la suite, ou tu vois des plus petites structures tirer leur épingle du jeu. Malheureusement, je dirais, je vois plutôt des grosses structures, ces grosses structures-là continuer en fait à, je sais pas si on peut appeler ça le monopole, mais oui, avoir un certain monopole, parce que bah, on a quand même des contraintes qui sont assez nettes. C'est la quantité de données, c'est la puissance de calcul, et ça, on est clairement pas, c'est clairement difficile d'avoir accès à ce genre de. La barrière à l'entrée est vraiment assez haute. Après, je dirais aussi, un des chemins qu'on essaye d'avoir dans l'intelligence artificielle, c'est de développer ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est en fait, pour entraîner, on a l'apprentissage supervisé, on va donner en fait des données, mais on va aussi donner la réponse qu'on attend en fait. Par exemple, j'ai des images de chat et de chien, et puis je vais lui donner des images de chien et de chien, mais je vais dire à la machine, ça c'est une image de chat, ça c'est une image de chien. Le problème, c'est que labelliser des données, il faut des êtres humains, et ça coûte très très cher. On va le voir dans ChatGPT, par exemple, c'était une des innovations. Ils ont embauché 40 personnes à temps plein pendant des mois pour pouvoir créer en fait une base de données derrière. Avec l'apprentissage supervisé, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on n'a pas besoin d'aller labelliser ces données, donc on n'a pas besoin d'engager des humains, etc., pour pouvoir faire tous ces labels. Et donc, il y a quand même la nécessité en fait d'avoir une puissance de calcul. Par contre, il y a moins de dépendance aux données. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans le futur, en fait, pour pouvoir permettre à des acteurs plus petits en fait de pouvoir entrer. Par contre, pour l'instant, et je pense même en fait, même si demain on aura moins besoin de cette labellisation des données, on voit clairement que c'est aujourd'hui les gros acteurs en fait qui sont partout dans la recherche. La plupart des papiers qui sont publiés, c'est Google, c'est Facebook, enfin Meta, c'est OpenAI.
Ouais. Avant, c'était surtout les universités. Maintenant, il y a assez. Enfin, les universités continuent à publier en fait toujours des papiers scientifiques, mais vraiment les innovations, en fait, par exemple comme les transformers, sont plus tellement faites, plus tellement publiées en fait par des universités ou par des organismes publics. Après, pour des petites entreprises, ce que je crains, c'est que oui, il va y avoir la possibilité en fait d'utiliser l'intelligence artificielle, de pouvoir créer quelque chose avec l'intelligence artificielle. La question, c'est est-ce que ces entités, elles ne seront pas obligées de passer par les grands acteurs. Ouais. C'est-à-dire, oui, je vais créer, je sais pas, une application qui va pouvoir me prédire telle ou telle chose. Je vais pouvoir faire une innovation dessus. Je vais peut-être créer un modèle en fait qui va être spécifique. Je vais apporter une innovation sur les données. Mais derrière, j'ai besoin de modèles si je veux pouvoir avoir de bonnes performances avec très peu de données. On a ce qu'on appelle des modèles qui sont pré-entraînés, donc qui sont pré-entraînés sur D'accord. une autre tâche, et puis on les applique sur une nouvelle tâche. Mais D'où le ça, GPT, donc le pré-trained pré-train. modèle, ouais, Exactement. fait. Exactement. On a ChatGPT, c'est un modèle qui est pré-entraîné sur une tâche assez simple qui est de prédire le prochain mot dans une phrase. Et puis après, on peut prendre ce modèle-là comme base et puis l'entraîner pour plein de choses. Mais là, c'est pareil, si vous voulez en fait avoir ces modèles-là, ça coûte très très cher en fait en puissance de calcul. Donc il n'y a que des gros acteurs qui vont être capables de créer ces modèles-là. Et ils vont très certainement vouloir les monétiser. Et donc même si je veux peut-être les pré-entraîner, je vais peut-être devoir passer par ces acteurs-là. Donc, pour utiliser ces modèles doivent être entraînés, donc par les grosses structures. Si on veut les utiliser en tant que plus petite structure, startup, on peut les utiliser via une API, potentiellement. Mais dans ce cas-là, on va devoir payer en fait, pour chaque requête, c'est ça? Enfin, et pour chaque inférence? C'est ce qu'on peut imaginer. On peut déjà imaginer le principe effectivement, de faire des inférences via une API. Ben ça, c'est déjà le cas avec ChatGPT. Il y a une API OpenAI auquel on peut pas, par laquelle on peut passer. Je ne crois pas que. Peut-être, en fait. Peut-être que Midjourney a une API aussi. Je sais que. Alors, Stable Diffusion est un peu différent, enfin, est très différent, parce que Stable Diffusion est open source. Alors, c'était mon autre C'est une grosse question importante, différence. c'est quid de l'open source là-dedans? Est-ce que c'est une solution potentiellement au problème qu'on vient de décrire? Alors, pour moi, c'est une solution, c'est une des solutions principales, c'est effectivement d'avoir des modèles qui sont ouverts. D'accord. Des modèles qui Mais sont ouverts comme Stable. excuse-moi, Niels, mais OpenAI se disait open source, non, au début, sur son code? Je ne sais pas tellement ce qu'ils entendent par open dans leur Oui, nom. voilà, d'accord. OK. J'ai l'impression que c'est plus se dire qu'ils vont publier beaucoup de choses, en fait, OK. ou qui. D'une certaine manière, à la base, c'est une organisation qui est non à but non lucratif et que donc ils vont en fait publier toutes leurs découvertes. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un effet marketing parce qu'en fait, les choses principales, les découvertes les plus importantes, quand elles sont faites par Google ou Meta, Meta et Google les publient aussi. Donc, je vois pas en quoi vraiment OpenAI est plus ouvert en fait qu'un Google ou qu'un Facebook. Donc Après, la oui, découverte est publiée, mais le code n'est pas accessible en fait, ça. Pour OpenAI, non, le code, la plupart du temps, le code n'est pas accessible. Non, en tout cas, pour ChatGPT, c'est pas accessible. Mais même le modèle qui est entraîné, c'est-à-dire en fait, dans le modèle, on va voir. Du coup, la description des neurones, puis des connexions qu'il y a entre les neurones artificiels, il n'est pas libéré, enfin, il n'est pas libre, on ne peut pas y avoir accès. Tout comme Midjourney, par exemple, Midjourney, on ne peut pas avoir accès à ça. Dans le cas de OpenAI, leur justification principale, c'est que ils ont rajouté toute une gamme de mesures de protection C'est dangereux, pour, ouais. C'est dangereux. voilà, pour éviter de pouvoir générer tout ce qu'on veut. On met Et dans pas le cas, et s'ils libéraient ça, la on pourrait terre. faire ce qu'on voudrait. Ouais, d'accord. Ok. Exactement. Ok, très bien. Et alors, donc, ce que tu dis, c'est que Stable Diffusion a une approche très différente. Alors. Oui, exactement, parce que Stable Diffusion, on a tout le code qui est disponible. Il est disponible sur GitHub, donc la plateforme pour stocker du code, mais aussi le modèle en lui-même, c'est-à-dire les modèles, en fait, c'est-à-dire cette description des connexions, c'est disponible sur Internet.
quand on utilise Stable Diffusion, alors on peut passer par des interfaces web, on va faire tourner le code sur des serveurs, etc. Mais enfin, c'est ce que je montre sur mes vidéos. On peut le mettre sur notre ordinateur local. Ouais. Et lorsqu'on l'a installé, on a le code qui est disponible. Hein. On n'est pas obligé d'aller dedans, mais le code est disponible. Et on va avoir des fichiers qui sont des fichiers, ce qu'on appelle CKPT, qui en fait stockent en fait le modèle lui-même. Ouais. On peut les mettre dans un répertoire et après on peut choisir le modèle qu'on a envie d'utiliser, puis on peut générer des images en fait avec le modèle, avec les différents modèles. Et on peut aussi entraîner notre propre modèle, c'est-à-dire prendre le modèle de base, l'entraîner sur nos propres images pour pouvoir le mettre à jour en fait. Et ça, c'est quelque chose par exemple qui n'est pas disponible, qui n'est pas possible avec Midjourney. On ne peut pas entraîner nos images sur avec Midjourney parce qu'on n'a pas accès en fait à ça. Et oui, je pense que c'est. Malheureusement, je ne pense pas que ça va se concrétiser. Je pense qu'on l'a vu. L'open source, le logiciel libre, marche très bien dans plein de domaines. Par exemple, tout ce qui est Android, enfin plein de systèmes d'exploitation. Maintenant, on a des logiciels libres. Là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des gros acteurs qui vont aller monétiser tout ça. Ouais. Mais ça serait vraiment une solution parce que, effectivement, j'ai la capacité de contrôler ce que fait le modèle. J'ai la capacité aussi de partager en fait ces modèles-là, de les mettre ensemble. Et je pense qu'aussi, c'est quelque chose qui a un énorme avantage au niveau de la créativité. Ouais. Parce que l'exemple, c'est Midjourney, c'est complètement fermé. Midjourney, tout ce que je peux faire, bah, j'ai mon prompt, je crée mes images. Je peux aussi faire de la synthèse d'images, donc je peux mettre du texte, je peux aussi mettre des images pour générer de nouvelles images. Ouais. Mais avec Stable Diffusion, je peux prendre un modèle, je peux l'entraîner sur mes propres images. Après, je peux faire ce qu'on appelle un merge avec d'autres modèles qui vont être traités sur d'autres images pour créer quelque chose de nouveau. J'ai accès au code, donc je peux faire, en fait, c'est ce que j'ai fait sur une vidéo, mais on peut trouver plein de codes sur Internet pour créer des sortes d'animations, en fait, où on va en fait manipuler le modèle comme on veut. Donc, au niveau de créativité, c'est clairement quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus puissant. Ouais. Et au niveau de... Je pense que c'est la seule solution pour éviter qu'il y ait un monopole dans le futur sur cette technologie-là. Ok. Clairement. Oui, donc c'est hyper intéressant parce qu'on peut avoir une vision. Bah, déjà, on voit aujourd'hui des rendus qui sont différents en fait, sur ces différentes plateformes. DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Je parlais à un artiste qui me disait qu'il préférait le grain de Midjourney ou de Stable Diffusion version 2. Enfin, et en fait, quand on fait quelques requêtes, slash imagine, slash dream, on finit par identifier, reconnaître comme ça un peu d'où ça vient. Mais ce que tu me dis, c'est que en fait, il y a un autre enjeu, c'est qu'il y a un autre enjeu au niveau de la créativité, de la liberté de ce qu'on peut faire avec ces outils et évidemment des modèles économiques derrière. Oui, parce que ce qu'on risque d'avoir, c'est que si on a des modèles plus comme Midjourney, on va avoir un outil qui va être centralisé, qui va passer par là. Les artistes, quand ils vont vouloir, ou n'importe qui, quand on va vouloir générer des images, on va devoir passer par là en payant. Alors, de toute façon, si je le mets sur mon machine locale, il faut que je paye, j'ai payé mon GPU, etc. Ouais. Mais là, on a un enjeu qui est assez... qui est très important à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu toute cette ce conflit en fait entre justement ces modèles, la communauté en fait de l'intelligence artificielle appliquée à l'art, de l'art génératif, et les artistes, parce que effectivement, bah, il nous faut des données pour entraîner ces modèles, et puis ces modèles, ils ont été entraînés sur des images trouvées sur Internet. Ouais. Et effectivement, si il n'y avait pas des artistes pour pouvoir créer plein d'images pour ensuite entraîner ces modèles n'existeraient pas. Et la chose principale, c'est si j'ai un modèle qui est centralisé, qui n'est pas open source, bah en fait, qu'est-ce que fait cette organisation comme Midjourney ? Alors moi, j'ai fait des vidéos sur Midjourney, mais je préférais me concentrer sur Stable Diffusion au point de vue éthique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait Midjourney ? Midjourney va prendre plein d'images en fait, de plein d'artistes sur Internet, va extraire en fait, va extraire vraiment ce qui fait le style, mais... Disons que pour créer leur modèle, ils ne peuvent pas faire sans ces artistes-là. Donc, en fait, ils vont créer de la valeur à partir des données qu'ils ont extraites, qu'ils ont prises sur Internet. Après, il y a toutes des questions légales. Ça, je ne vais pas entrer dedans parce que je ne m'y connais pas trop. Je ne pense pas que les artistes puissent vraiment dire quelque chose parce qu'au niveau légal, il y a encore un flou juridique là-dessus. Mais une organisation comme Midjourney, elle prend les données-là et en fait, elle crée de la valeur qu'elle revend ensuite aux utilisateurs. Mais cette valeur-là, elle ne serait pas capable de la produire s'il n'existait pas les artistes. Bien sûr. Alors que si j'ai un modèle qui est open source, oui, ça prend de la valeur ces artistes-là, mais la valeur ensuite elle est libre, elle est mise en commun avec tout le monde.
redistribuer, repartager, Exactement. juste augmenter en fait Exactement. d'une certaine manière. Ouais. Exactement. Parce que dans le cas de Midjourney, bah, on peut dire, ah oui, mais même les artistes ont à y gagner parce qu'ils vont être plus productifs. Oui, ils vont être plus productifs, mais ils vont être plus productifs, ils vont devoir passer par Midjourney en donnant de l'argent à Midjourney ou à n'importe quelle organisation de ce type-là. Alors que si, et surtout, ce ne sera pas forcément pour gagner plus en créativité, parce que comme je l'ai dit, bah, c'est très restreint. Par contre, s'ils sont comme avec un modèle comme Stable Diffusion, oui, les artistes, ils peuvent prendre ce Stable Diffusion, ils peuvent prendre tous ces modèles-là. Des modèles pré-entraînés, on peut en trouver sur Internet, il y en a des centaines maintenant. Et ils peuvent les combiner et effectivement les utiliser, les modeler alors comme ils veulent pour pouvoir augmenter leur productivité. Et ça, sans passer par une entreprise ou par une organisation, en fait. Ouais. Alors, super intéressant. Mais c'est vrai parce que donc derrière, il y a la question du copyright qui arrive un peu dans tous les sens, hein, avec Getty Images, des class action, Shutterstock qui a un comportement différent. Mais c'est vrai que moi, sur Midjourney, j'étais surpris au début de me retrouver avec des watermarks Getty Images, tu vois, sur les créations sur les visuels de création que je générais. C'est vrai que c'était assez étonnant. Ouais. Ouais. Ouais, il y a les signatures aussi. Les Alors, c'est signatures. pas, on a souvent vu que c'était une, selon des artistes, c'était la preuve en fait que c'était une, pas un vol, mais une contrefaçon. Ouais. Mais c'est pas tellement le cas parce que généralement, c'est pas une reproduction de la signature de l'artiste. C'est une sorte de signature. Ça représente un peu le concept global de la signature, mais c'est pas une signature spécifique. Ok, très bien. Je voulais revenir un petit peu maintenant sur tes vidéos, Nils, en fait, je trouve génial. Donc, toi, tu considères que, enfin, je pense que tu es quand même passionné par ces outils et ce qu'ils te permettent de générer, et ce qu'ils permettent de générer au plus grand nombre. Pour toi, est-ce qu'on peut parler un peu de l'art du futur, quoi, d'une certaine manière? Oui, totalement. Enfin, moi, c'est un peu une voie que j'essaye de faire passer dans mes vidéos, que je vais essayer de faire passer dans mes vidéos dans le futur. C'est que l'art par intelligence artificielle ou même ce qu'on appelle l'art génératif de manière globale, c'est une forme d'art spécifique qui va certainement prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans le futur, mais qui a aussi le droit d'exister en tant que tel. C'est-à-dire que ça a une histoire, ça a des méthodes. Pour vraiment arriver à quelque chose, il faut de la créativité, contrairement à ce qu'on peut penser. Si on va simplement faire un tour sur Midjourney puis on fait quelques images, il y a vraiment une question de créativité. Et justement, avec des modèles open source, on aurait la possibilité de faire cette créativité. Et il y a aussi toute une histoire, hein, parce que en fait, l'art génératif, ça existe depuis longtemps. Sauf que avant, on n'utilisait pas forcément des méthodes d'intelligence artificielle, c'était des méthodes plus algorithmiques. Mais par exemple, on a, par exemple, dans la musique, il y a eu plein de. Dans les années 80, même les années 90, des méthodes de génération de musique algorithmique où je me souviens plus du nom de ce chercheur-là, mais qui me générait en fait des symphonies juste en tapant en fait du code, etc. Et ça, en fait, c'est le principe de se dire on va générer en fait des œuvres d'art, sauf qu'on va les faire générer de manière automatique par la machine en créant un algorithme ou en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle. Sauf que en fait, la créativité, elle est dans la création de l'algorithme, pas dans le fait de créer le produit final. Ouais, trop cool. Et donc, on a des résultats incroyables que tu présentes dans tes vidéos. Moi, je trouve qu'il y a un truc déjà très bluffant, c'est les questions de in-paint, d'out-paint. Je trouve que c'est des très beaux exemples. Peut-être que tu peux juste expliquer à notre audience ce que c'est. Enfin. Oui, alors l'inpaint, donc généralement on veut créer une image, donc avec Stable Diffusion et autres, on peut créer une image à partir d'un texte. L'inpaint, par exemple, on va sélectionner une partie de l'image, on va dire on veut générer seulement dans cette partie-là. Donc je vais poser ce qu'on appelle un masque, où je vais dire tiens, cette partie-là, c'est la génération. Et puis je vais quand même fournir une description. Et en fait, Stable Diffusion ou Midjourney, etc. Je ne crois pas qu'il y ait du inpaint sur. Non, il n'y a pas de inpaint sur Midjourney. Donc, Stable Diffusion, par exemple, va en fait générer en fait une image, mais seulement dans la partie que j'ai spécifiée. Sauf qu'il va avoir la capacité de suivre le texte, mais aussi de l'intégrer en fait à l'image totale.
Et puis la Open, c'est, je vais tout simplement étendre une image. C'est-à-dire, je vais avoir une image carrée, par exemple, et puis je vais l'étendre sur la gauche, par exemple, et je vais aussi lui donner une description. Et Sable Vision va être capable de l'étendre en fait en créant quelque chose qui serait par exemple, je sais pas, j'ai un garage, ce serait la suite du garage, il va l'imaginer et puis créer en fait cette extension. Alors, mais ça, moi, c'est vraiment les exemples qui m'ont bluffé le plus. J'ai vu la laitière, par exemple, de Rembrandt, tu vois, avec Oui. un outpaint autour. Je trouvais ça assez extraordinaire. Dans la logique pour comprendre, est-ce que c'est. Alors, on peut guider via le prompt ce qu'on veut, mais est-ce que ça correspondrait un peu à ce qu'on dit sur ChatGPT, deviner les mots les plus probables, tu vois, deviner l'environnement le plus probable autour de la photo de base. Oui, on peut. C'est des modèles qui sont Réplique. statistiques, donc oui, on peut parler de prédiction. Alors, je ne sais pas si tu veux entrer un peu dans la façon dont ça fonctionne, les modèles de diffusion, par exemple. Ouais, carrément. Mais les modèles de diffusion, ce qu'on fait, c'est que. Alors, les modèles qui étaient avant, dont j'ai parlé, qui étaient les GAN, en gros, on avait un modèle qui essayait de générer des images, puis un modèle qui essayait de définir, qui était discriminant, qui essayait de définir, de trouver quels étaient les vrais et les faux. Et puis, en fait, un essayait de générer des images de plus en plus réalistes pour pouvoir tromper le discriminateur. Et puis, on avait l'autre qui essayait de devenir de plus en plus performant à trouver quels étaient les vrais et les faux. Et puis, les modèles de diffusion, en fait, on va lui donner plein d'images. Et en fait, on va rajouter à chaque fois du bruit, en fait. Donc, on va, d'une certaine manière, détruire l'image. Et après, on va entraîner le modèle pour lui apprendre à retirer en fait ce bruit, c'est-à-dire à repartir vers l'image d'origine. Et on va pouvoir faire ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va rajouter du bruit, on lui apprend à retirer, on rajoute encore du bruit, on le réapprend à retirer. Et en fait, on part d'une image qui est l'image nette, et puis on va passer par plusieurs étapes où chaque fois on rajoute du bruit, donc on détruit l'image jusqu'à avoir une image qui est totalement aléatoire. Et en fait, on va apprendre au modèle, un très gros réseau de neurones, en fait, à inverser ce processus. En fait, il y a des réseaux de neurones, donc c'est du machine learning, mais en fait, ça vient d'une idée. L'idée principale vient plutôt de la physique. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais une goutte d'encre, que je la mettais dans de l'eau. On voit que la goutte d'encre, elle se diffuse, en fait, dans l'eau. Et en fait, c'est comme si et la façon dont vont se déplacer, en fait, les molécules, c'est une marche aléatoire. Parce qu'en fait, j'ai plein de molécules d'eau qui vont aller taper les molécules d'encre, ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et donc, on va avoir ces molécules d'encre qui vont se disperser, qui vont se diffuser. Et bah, c'est comme si, et il y a eu des travaux là-dessus, à la base, en fait, c'était vraiment sur ce type de question. Bah, je reprenais en fait cette diffusion et j'essayais de l'inverser pour repartir vers la goutte. Et bah, c'est exactement le même principe. J'ai des images qui sont détruites, et puis j'essaie de repartir vers l'image d'origine. Et puis, après, on a rajouté ça, on a pris des quantités énormes de texte, où en fait, j'ai des images et puis j'ai la description textuelle. Et en fait, lorsque je demande au modèle en fait de reconstruire l'image lorsque j'ajoute du bruit, je rajoute le texte, j'ajoute la description pour pouvoir l'aider en fait à reconstruire au mieux, encore mieux l'image. Bien sûr. Et donc quand je fais ça, bah, après je pars d'une image qui est totalement aléatoire, je rajoute la description textuelle, et puis eh ben, l'image va en fait le modèle va à chaque fois passer par plusieurs étapes où il va à chaque fois retirer du bruit, ce qu'il pense être le bruit, en fait ce qu'il prédit comme le bruit le plus probable. En fait, il va rajouter, il va enlever, 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 jusqu'à arriver à cette image finale. Et c'est ce qu'on voit quand on fait sur Stable Diffusion. On peut voir les différentes images, les différentes étapes par lesquelles il passe. Aussi sur Midjourney, on peut voir les différentes images intermédiaires, en fait. Et en fait, c'est ces processus de prédiction du bruit. Donc oui, l'image finale qu'on a, c'est l'image qui est la plus probable selon le modèle, qui aurait donné en fait le bruit qu'on lui a fourni. Après, c'est pas forcément dans le sens où c'est pas forcément la plus probable, parce que il y a ce qu'on appelle en fait qu'on prédit en fait. C'est peut-être un peu la chose un peu plus compliquée à expliquer. On prédit la forme du bruit. En fait, on peut choisir, on peut échantillonner, c'est-à-dire qu'on peut choisir plusieurs bruits possibles. Et c'est ce qui permet en fait de générer plein d'images en fait à l'infini. C'est-à-dire, le bruit aurait cette forme-là, je vais choisir ce point-là, puis je vais aller dans cette direction-là, puis à la fin, j'ai une image. Si j'avais choisi un autre chemin, bah, je serais tombé sur une autre image qui aurait correspondu aussi en fait à la description que j'ai fournie. Génial.
On voit que ces outils progressent à une vitesse fulgurante. Hein. On en parlait. Au début, on voyait qu'il y avait certains problèmes de précision. On voyait qu'il y a les jambes des personnages, où on parlait des doigts aussi qui pouvaient être pas très bien traités. Tu vois cette progression continuer et arriver à des choses hyper réalistes et assez proches de la perfection? Oui, il y a évidemment une grande. En plus, c'est vraiment le début, donc il y a vraiment il y a vraiment beaucoup d'innovation. Les modèles deviennent de plus en plus performants. On l'a vu avec Midjourney version 3 et Midjourney version 4. Clairement, il y a clairement une amélioration. Effectivement, il y a des questions il y a des problèmes au niveau de l'anatomie, surtout avec les mains, parce que les mains, c'est une partie du corps qui est très complexe. On peut les disposer de plein de manières différentes, et en plus, si on les regarde sous différents angles, ça fait que c'est quelque chose de très complexe. Le corps, d'une manière générale aussi, mais les mains ont un très gros degré de liberté, donc c'est très complexe. On l'a vu, par exemple, avec Midjourney version 4, ça s'est grandement amélioré. Mais oui, je les vois, on voit clairement qu'ils vont devenir de plus en plus réalistes, aussi au niveau, tout simplement, du grain qu'on leur donne pour arriver à des images qui sont photoréalistes. Après, je pense aussi qu'il y a des limites qui sont, je vais dire, intrinsèques à ces modèles-là, et qui sont, à mon avis, indépassables avec ces modèles, peut-être pas avec d'autres modèles, et que ça s'applique aussi à ChatGPT. Un modèle, une limite principale que je verrais, c'est que ces modèles, même les images, les questions de génération d'images, sont basées uniquement sur le langage. ChatGPT est basé uniquement sur le langage. Il n'a aucune idée, enfin, on lui a pas fourni d'image, par exemple. Donc, ChatGPT, c'est un modèle de langue. Donc, c'est un modèle de langue. On lui apprend, en fait, à prédire le prochain mot dans une phrase. Stable Diffusion, Midjourney, ça génère des images à partir de texte. Et c'est une question, c'est quelque chose, le langage, contrairement à ce qu'on pense, nous, humains, parce que c'est quelque chose qui fait tellement partie de notre manière de penser, qui est tellement intégré, en fait, à notre esprit, on pense que c'est quelque chose qui a la forme ultime de connaissance. Mais en fait, c'est très, très dur. Le langage est une forme de compression de l'information, qui compresse tellement l'information que ça, c'est extrêmement difficile de passer des choses extrêmement précises. Par exemple, si on va, peut-être, je sais pas, t'as quelqu'un qui vient vers toi dans la rue, rien que pour lui expliquer un chemin, si c'est un peu trop compliqué, on voit très bien que c'est extrêmement difficile. Donc, en fait, c'est tous des modèles qui sont basés sur le langage, et on voit ce que ça donne, hein, parce que, par exemple, ChatGPT a une très grande capacité à modéliser le langage, à le rendre en fait crédible, mais en fait à une intelligence globale qui est très faible, c'est-à-dire qu'il se trompe très souvent, il n'a pas de sens commun, il n'a pas de modèle du monde, et ça c'est parce qu'en fait il est entraîné uniquement sur le langage. Par exemple, ChatGPT, si tu vas lui dire un test classique, c'est tu lui dis Denis voulait mettre la boule de billard dans la boîte à outils, mais elle n'entrait pas. Et tu lui poses la question. À quoi fait référence le dernier L? Et en fait, selon que tu tournes la phrase, en fait, il répond soit l'un, soit Ah oui. l'autre. Mais Alors elle que nous, on n'entrait sait pas, très bien d'accord? qu'une boule de Et billard. il te dit soit la boule, soit la boîte. Ouais. Alors que nous, on a un modèle du monde. On voit ce que c'est une boule de billard, on voit ce que c'est une boîte à outils. Bon, on voit très bien On que la c'est la boule qui ne visualise, rentre pas on la dedans. suit. Ah On ouais, la tout à fait. visualise. Parce que, en fait, on a une expérience des boîtes à outils, on a l'expérience des boules de billard, on sait comment ça réagit, on sait au toucher à quoi ça ressemble, on sait au niveau physique à quoi ça ressemble, on l'a vu en 3D, etc. Donc on s'est fait un modèle du monde, on voit très bien que ça ne rentre pas à l'intérieur. ChatGPT, la seule chose qu'il a, quand il a un concept, donc le concept de boule de billard, la chose qu'il connaît, c'est la relation des mots entre eux. C'est tout ce qu'il sait sur la boule de billard. Tout ce qu'il sait sur la boule de billard, c'est que ça va dans certains contextes et il connaît la relation avec les autres mots, c'est-à-dire qu'il sait que la boule de billard, ça rentre dans tel contexte. Donc ça rentre quand on parle de jeu, de soirée, etc., par exemple. Et ça fait que c'est quelque chose d'indépassable, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais atteindre quelque chose. Il y a un article très intéressant de Yann LeCun, un des pères de Bien deep sûr. learning, qui explique ça, qui dit des modèles qui sont entraînés uniquement sur le langage n'arriveront jamais à un niveau très avancé d'intelligence. Parce que c'est des Oui, hyper conceptions, c'est une intéressant. expérience qui est trop faible. Et donc,
il vient un petit peu calmer les ardeurs là, de tout le monde, qui, de tout le grand public qui est scotché par ChatGPT et ses capacités. Et donc, en effet, en disant on n'arrivera jamais à l'intelligence, en fait, c'est pas si impressionnant que ça. Et pour toi, bon, et toi, tu es d'accord avec ça, et pour toi, ça, c'est des grandes limitations, en fait, qui sont dans sa construction Exactement. intrinsèque. C'est des limitations qui sont inhérentes au ce qu'on appelle les modèles de langage. C'est-à-dire des modèles qui essaient de prédire, en fait, qui décrivent statistiquement le langage. Parce que tout ce qu'ils font, vraiment, c'est décrire statistiquement le langage. Ils ne connaissent rien d'autre. Et Donc, ça, c'est vraiment une limite. l'intelligence artificielle généralisée ou la super intelligence, pour toi, il y a peu de chances que ça vienne de ces modèles parce que d'une certaine manière, c'est une vision incomplète, parce qu'ils sont incomplets par rapport à la diversité de la réalité, quoi, en fait. Exactement. On pourrait dire que c'est des modèles très puissants au niveau statistique, mais ils n'ont accès à la réalité que par une petite serrure, qu'un petit trou de serrure, et en fait, ils n'ont pas accès à tout ce qui fait réellement la connaissance. Nous, ça va être toute notre expérience, ça va être d'interagir avec la réalité, ça va être des images, des sons, des odeurs, etc. Donc oui, c'est une limite. Et oui, Yann LeCun l'a très, très bien dit qu'il n'était pas impressionné. Et effectivement, c'est impressionnant au niveau statistique, ça donne quand même des réponses qui sont intéressantes. Mais effectivement, on n'arrivera jamais à atteindre un niveau d'intelligence de l'être humain avec ces modèles-là. Il y a des modèles qui sont, c'est-à-dire avoir des modèles qui vont être différents dans le futur, si on veut vraiment avancer sur ce point-là, savoir des modèles qu'on appelle multimodaux, donc des modèles qui vont prendre des images, de la vidéo, du texte, peut-être ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire avoir interagir avec la réalité puis recevoir des feedbacks. Et là, on peut, avec des modèles multimodaux, on peut imaginer arriver à quelque chose. D'accord, quelque chose de beaucoup plus complet. Mais ce qu'on peut se dire quand même, c'est que c'est déjà quand même une étape très intéressante de mettre ça entre les mains de tout le monde pour voir aussi un peu un retour humain, une prise en main pour voir aussi les réponses, la réaction de la société en fait vis-à-vis de ça, quitte à le compléter par la suite. Oui, c'est de voir ce qui se passe, c'est aussi de voir un peu les dérives qui peuvent se faire. C'est de voir comment effectivement comment l'humain réagit, comment l'humain interagit en fait avec la machine. Ça, c'est aussi très intéressant. Après, moi, je pense que c'est aussi une raison pourquoi OpenAI l'a libéré, en fait l'a libéré, l'a rendu accessible, c'est que effectivement, on a besoin d'énormément de données, on a besoin de voir comment, pour améliorer le donné, comment il interagit. Et on sait que c'est marqué hein, sur le site web de ChatGPT, les interactions sont enregistrées. Elles sont enregistrées par OpenAI. Donc ça va leur permettre d'avoir une base de données dans le futur pour pouvoir entraîner leur futur modèle. Et ça, c'est un truc qui est aussi un peu pervers, c'est que en fait, on ne se rend pas compte que déjà ChatGPT est entraîné sur des données qui viennent d'Internet, donc avec nos données. Mais en plus, lorsqu'on interagit avec ChatGPT, très certainement qu'on travaille pour OpenAI. Et on est un certain nombre à le faire très régulièrement, tous On est les plusieurs jours. millions, donc ça fait beaucoup. Après, si je peux revenir en fait sur les limitations, sur la question plutôt du côté des générateurs d'images, effectivement, ils prennent le texte comme base pour la description, et ça aussi, c'est une grande limite. C'est que là aussi, effectivement, on prend comme base, comme principe que le langage est très limité, ben en fait, c'est un moyen très limité de décrire une image que de passer par du texte. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur les artistes, sur le fait que ça pourrait remplacer les artistes, etc. Une image vaut 1000 mots, hein, à la base. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Algorithme connu. Bien sûr. On peut très peu, c'est très difficile de décrire une image. Enfin, c'est même pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible de décrire complètement une image, à moins de décrire la valeur de tous les pixels. C'est absolument impossible de décrire une image. Et ça, c'est quelque chose qui va faire que ces modèles vont être très limités et vont pas remplacer l'humain, en tout cas pas comme ça. C'est que, en fait, tous ces modèles-là, ils sont très marrants, ils sont très rigolos. On se marre bien quand il s'agit de créer des choses pour nous.
Parce qu'on arrive, on tape du texte pour des projets aussi un peu perso. Voilà, on a envie de créer un fond d'écran, un machin. Ça marche très bien. Mais imagine ça dans un domaine professionnel, tu as un client. Le client, il veut quelque chose d'absolument spécifique. Moi, j'ai pas mal travaillé avec des designers, etc. Ils veulent, le client, ils souvent sont très contraignants. Ils veulent quelque chose de très précis. S'imaginons que tu veux faire quelque chose de plus complexe, tu veux faire une BD, tu veux faire un film, etc., des animations. Tu as des contraintes. Un personnage doit avoir la même veste, la même couleur, ex exactement la même veste d'un point à un autre. Tout ça, c'est des choses qui font que quand tu veux générer une image dans un contexte professionnel ou même un contexte productif, tu dois pouvoir spécifier la moindre des choses que tu veux. C'est pour ça qu'on va créer l'image de A à Z. Un artiste va le faire de A à Z, il peut faire exactement ce qu'il veut. Et ça, c'est des choses que toutes ces contraintes-là, tu ne pourras pas les remplir avec les modèles actuels parce qu'ils sont basés sur le langage. Et le langage n'est pas assez puissant pour pouvoir décrire suffisamment de l'image. Alors, on le voit de toute façon, même en faisant quelques essais, on a du mal à reproduire le même personnage dans Oui. différentes situations, que ce soit sur Midjourney ou Stable Diffusion, tous les outils différents. Oui, il y a des manières de créer des personnages consistants, mais on travaille si on a envie de faire un plan pour une BD, puis un plan pour une autre BD, on voit très bien que par exemple, il y a une veste qui est un peu différente, le fond est pas la même chose, donc il y a des incohérences. Et si je voulais vraiment l'utiliser dans un contexte sérieux et productif, il faudrait que je puisse dire, non, derrière, en fait, le palmier, faut que la feuille, en fait, elle descende un peu, puis il faudrait qu'en fait, le col de la veste soit autrement. Et ça, c'est un truc avec le texte, on ne peut pas le décrire. Mais alors là-dessus, Nils, enfin, j'ai regardé donc pas mal de vidéos d'Emmett Mostak de Stable Diffusion, et je recommande à tout le monde de regarder ces vidéos parce qu'il explique assez bien, il est assez enthousiaste. Mais donc, lui, il parle de justement la génération de vidéos via Stable Diffusion. Mais là, comme ça, on se dirait. Ça risque d'être encore pire, la génération de vidéos, la génération d'un film, mais on se dit ça risque d'être encore pire parce que plus ça va être long, entre guillemets, plus on va avoir d'erreurs ou de décalage par rapport à l'idée recherchée et au texte de base, quoi. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on génère des vidéos, bah, on peut générer l'image suivante en essayant de prendre en compte les contraintes précédentes, donc avoir une veste qui est pareille, etc., pour que ça perdure. Mais là aussi, si on n'arrive pas à décrire en fait une vidéo, une image avec du texte, enfin, si on est très limité dans notre façon de décrire une image avec du texte, imagine ce que c'est qu'une vidéo. Donc, tu vas dire, oui, j'aimerais un personnage qui marche dans la rue, mais ensuite, si tu as envie de vraiment te préciser à fond, vraiment d'avoir la moindre, de pouvoir spécifier la moindre des choses, ça va être extrêmement difficile. Donc là aussi, c'est des modèles, mais pour faire de la vidéo, qui vont être limités à un peu des modèles qu'on va utiliser pour s'amuser un peu, pour créer peut-être des projets perso, mais pour vraiment être productif, il va falloir faire quelque chose de plus. Alors moi, par exemple, j'ai une vidéo où je parle de Paint with Words. Donc par exemple, je prends pas seulement du texte. Et ça, c'est des modèles qui ont été développés aussi par Nvidia qui sont très performants. C'est j'ai des couleurs. C'est Chaque couleur, ton j'associe. ciel violet, c'est Voilà, ça, c'est mon la ciel. route, J'ai ouais, du tout ça. brun, c'est de la terre, etc. Et donc là, je vais pouvoir préciser non plus seulement le texte, mais aussi la forme de l'image. On pourrait imaginer aussi des modèles qui prendraient, je ne sais pas, bah, plein de choses différentes, qui pourraient prendre de la musique, etc., pour pouvoir correspondre à ce qu'on veut. Mais je pense, par exemple, oui. Par exemple, ajouter, en fait, là aussi, il va y avoir des modèles qui sont multimodaux, en fait. Je décris ce que je veux, pas seulement sous forme de texte, mais sous forme de texte, d'image, de son, etc. Et il va pouvoir vraiment définir finalement. Mais le truc, c'est que plus je rends ces modèles multimodaux, plus j'ai des outils, en fait, plein d'outils différents que je vais utiliser pour pouvoir remplir toutes les contraintes que j'ai besoin dans ma productivité, plus ça devient des modèles, des outils qui sont complexes. Donc, plus, du coup, j'ai besoin d'une certaine formation, j'ai besoin de connaître ces outils. Et bah aussi, c'est les gens qui sont les plus créatifs qui vont mieux s'en sortir. Donc, on reste quand même dans avoir des gens qui vont être artistes, créatifs, qui vont pouvoir les utiliser pour pouvoir être productifs. Ça veut dire avoir une formation, etc. Donc, ça veut dire pas remplacer l'humain. Ça veut juste dire le rendre plus productif. D'accord, donc pour toi, on est. Alors, parce que ça a été dans les premiers retours, les premières sources d'étonnement. On se disait les créatifs seront remplacés en dernier. Et là, on se disait, bah, en fait, c'est peut-être les premiers à être remplacés quand on voit ce que peut sortir Midjourney ou Stable Diffusion. En fait, ce que tu dis, c'est que pour faire les choses bien,
et ben en fait, ils ne sont pas du tout prêts d'être sur le carreau parce que leurs outils, leurs techniques leur serviront à aller encore plus loin. Oui, exactement, ça les rend plus productifs. Après, la différence, c'est que c'est comme le passage à des nouvelles technologies, c'est que c'est des nouveaux outils et qu'il va falloir se former pour ces nouveaux outils. Et surtout qu'ils sont très loin d'être matures. Il va y avoir un très grand développement dans les années qui vont venir. Donc, il faut suivre en fait cette évolution. Et puis, pour un artiste, c'est-à-dire, oui, suivre cette évolution, mais se former, etc., pour être à la pointe. Mais c'est comme pour la photographie, du passage de la peinture à la photographie, etc. C'est pas remplacer en fait la créativité, c'est-à-dire qu'on a passé à la photographie, et la photographie c'est un art en soi, avec ses techniques, avec ses outils, etc. Il faut développer un savoir-faire, etc. C'est un savoir-faire qui est différent, mais la créativité humaine, elle est toujours là. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on va voir et on voit déjà arriver donc bah, des artistes AI que je recevrai ici. Mais ce qui est marrant, c'est que donc les outils sont quand même à différents niveaux de maturité technologique dans l'interface utilisateur. ChatGPT, c'est quand même facile à utiliser. Stable Diffusion, si on veut commencer à faire à suivre par exemple tes vidéos ou aller faire du déforum sur des images qui se suivent un peu là, via un morphing. Voilà, là ça devient quand même assez complexe. Donc, et après, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui là sur les modèles audio, Vali, le text-to-speech ou MusicLM, Google, le Music from Text, bah là on est pour l'instant juste sur un white paper, quoi. Enfin, donc, on voit plein de cas différents, mais à des niveaux de maturité encore très différents. Exactement. Oui, dans le texte to musique, effectivement, on a des modèles qui apparaissent, qui ont des bons résultats. Hein. Le MusicLM de Google, ils donnent des échantillons, il est très bon. Hein. Pour Ouais, l'instant, c'est on n'a pas le modèle, enfin, on a juste le papier scientifique, mais effectivement, on n'a pas accès au modèle, on ne peut pas générer des musiques, on a juste des audios. Mais c'est en tout cas c'est déjà bluffant. Ok, merci beaucoup Niels. À toi. J'avais une ou deux petites questions sur tout ce qui est les deepfakes. Tu vois, j'imagine que tu es bien placé, surtout que il y a des vidéos dans lesquelles t'en as parlé. Tu penses que c'est quelque chose auquel on va être confronté cette année assez fortement? Oui, il y a déjà beaucoup d'utilisation des deepfakes, hein, donc. On va, oui, clairement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. C'est encore assez difficile à faire parce que ça fait appel, justement, quand on parlait des outils, ça fait appel à plein d'outils différents pour extraire les visages, pour faire entraîner un modèle, le remplacer, etc. Mais on peut imaginer que ça soit très simplifié dans le futur et que presque n'importe qui puisse utiliser ça pour. Mais c'est un problème assez général avec les modèles génératifs. C'est qu'en fait, on va être capable de créer ce qu'on appelle des données synthétiques. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est du texte synthétique. On a des images synthétiques. On va avoir la capacité de générer de plus en plus de données synthétiques. On le voit avec la voix aussi, hein, la voix là La sur les voix aussi. 3 secondes. Et ça va être très difficile de s'y retrouver, en fait. Parce qu'en fait, n'importe qui va pouvoir générer plein de textes, plein de fake news, etc. C'est un des soucis, enfin un des dangers en fait avec les modèles de génération de texte, de créer plein de fake news, et puis ensuite de vraiment qu'on soit submergé sous ces données synthétiques. Et ben d'où l'enjeu aussi peut-être de réussir à les identifier. Là, on est en plein dedans avec ce que fait OpenAI, avec un tool qui veulent présenter en tout cas pour aider les profs à regarder ce que font les étudiants avec ChatGPT. Mais donc ça peut se généraliser en effet à la voix, à la vidéo, à tous les modes. Petite question, Niels. Donc c'est peut-être au niveau plus large. Toi, au niveau donc de l'intelligence artificielle, un peu de science-fiction. Donc tu nous dis que d'après toi, comme le dit Yann LeCun, l'intelligence artificielle généralisée ne viendra pas de ces large language models. Mais est-ce que tu penses qu'elle va venir? Et si oui, à quel horizon?
Moi, j'ai assez de, j'ai même plutôt des doutes sur le concept d'intelligence artificielle générale. D'accord. Je pense que, et là aussi, je crois que je suis assez d'accord avec Ryan Donc, LeCun. alors, où on peut se dire, enfin, peut-être pour moi, la définition que je m'en fais, c'est une intelligence où, en fait, sur chaque domaine de compétences, la machine est plus performante en fait que l'être humain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur certains examens du barreau ou tests de comptabilité, jeux d'échecs et jeux de go, ben c'est le cas. Mais c'est se dire que grosso modo, en utilisant une interface, une machine, on peut arriver sur tous les domaines de compétences de l'être humain à être équivalent. Ok. Oui, alors oui, dans ce cas-là, on peut imaginer quelque chose qui soit comme ça et peut. Dans ce cas-là, je pense que ça peut venir assez rapidement dans pas mal de domaines, surtout avec les avancées en apprentissage non supervisé. Surtout maintenant, le but, c'est vraiment de pouvoir apprendre avec très peu de données. Hein. Moi, souvent, quand je parle d'intelligence artificielle, beaucoup de gens me disent, ah, mais c'est l'image que se font un peu maintenant encore les gens, c'est, tiens, il faut 4 millions d'images de chat pour lui apprendre ce que c'est un concept d'un chat. Alors que non, maintenant, en fait, le but, c'est vraiment d'arriver à quelque chose, d'avoir quelques images, en fait, par concept, et c'est quelque chose qu'on arrive de mieux en mieux. Et c'est peut-être un des principes de ce qu'on pourrait imaginer dans le futur comme intelligence artificielle plus générale, on peut dire. C'est pas savoir. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que, bah, on l'a vu avec GPT, hein, c'est pre-trained. Donc, effectivement, on apprend sur des tâches. C'est le principe d'avoir, pour pouvoir baisser au maximum le nombre de données dont on a besoin pour entraîner un algorithme, c'est de se dire, on entraîne en fait un algorithme sur une tâche qui est similaire ou sur une tâche qui est très très générale. Et puis ensuite, ben, on peut lui faire apprendre des petites tâches en lui fournissant très peu de données. C'est ça que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le futur pour pouvoir développer plein de petits outils qui seront spécialisés ou qui auront en fait en soi le modèle de base. C'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose à regarder, c'est ce qu'on appelle les modèles fondation. D'accord. Donc c'est des modèles je crois qu'il y avait, je crois que c'était Gatto de Google. Donc c'est un modèle, en fait, on lui fait apprendre plein de tâches différentes. Et en fait, il va partager en fait ce qu'on appelle des représentations. Donc en fait, il va avoir une base de connaissances énorme sur plein de tâches. Puis ensuite, on a juste besoin de lui donner quelques exemples pour lui faire apprendre des nouvelles tâches. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, mais même là, ça reste toujours, contrairement à l'être humain, ça reste toujours quelque chose qui a une façon de fonctionner qui est totalement différente. Je veux dire, c'est des modèles qui sont entraînés pour faire des choses qui sont pour remplir un objectif qui est extrêmement précis et en plus qui est défini par nous. C'est-à-dire, quand on entraîne l'algorithme, on lui définit en fait son objectif et on le définit sous forme de fonction mathématique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement clair et d'extrêmement simple. Alors, c'est pas forcément simple à entraîner, c'est-à-dire que c'est peut-être une tâche qui est compliquée, mais la définition en fait elle est très simple. Contrairement à l'être humain qui est une machine extrêmement complexe parce que c'est le résultat de l'évolution. On veut réussir professionnellement, on veut réussir au niveau familial, on veut, etc. On a plein de contradictions en fait. Ce que ne vont pas avoir ces machines-là, puisqu'elles vont remplir en fait des tâches extrêmement précises. Et je pense pas qu'il y a d'intérêt que ce soit, alors peut-être philosophique, mais en tout cas économique, à avoir des machines qui auraient les mêmes contradictions que les êtres humains. D'accord. Ça Donc ne serait pas très utile. le concept de sentience dont parlait un ingénieur de Google sur le modèle lambda, par exemple, ce que tu dis, c'est que c'est même pas vraiment la question, c'est que c'est pas forcément utile, tout simplement, quoi. C'est pas forcément utile, ou en tout cas, c'est pas utile d'avoir des modèles qui seraient trop généralistes, en fait. C'est utile du point de vue de se libérer de la dépendance aux données et de pouvoir réussir à faire des choses complexes avec très peu de données. Mais c'est pas tellement intéressant, je trouve, oui, au niveau peut-être au niveau économique. Ce qui s'est passé avec Lambda et l'ingénieur de Google, c'est, bah, c'est typiquement ce qui se passe quand on a un modèle qui est très performant à écrire au niveau textuel et à donner des réponses qui sont très comment dire très crédibles. C'est qu'effectivement on va confondre. Après, et j'ai lu quelque chose, alors là c'est peut-être justement vu qu'on parle de ça et qui moi m'a assez convaincu, et sur lequel il faut vraiment y aller avec des pincettes, c'est que je pense qu'il y a dans ChatGPT un principe de fonctionnement, d'entraînement, qui pourrait être la base pour une conscience artificielle.
Okay. Parce que justement, si l'ingénieur de Google a été trompé, c'est que ces modèles-là, en fait, sont, surtout ChatGPT et Lambda, ils sont entraînés pour prédire le prochain mot, Ouais. mais ils sont aussi entraînés, c'est ça qui a été ajouté, pour donner des réponses qui vont satisfaire l'utilisateur. Et c'est le problème avec Lambda, et c'est là qu'il a eu ce problème-là, c'est qu'en fait, ce système-là, il a essayé de s'adapter, de donner la réponse qui allait le mieux le satisfaire. Donc en fait, il va se modéliser, en fait, il va aller se calquer sur la personnalité et sur les intentions de la personne. Et Ouais. du coup, ça donne une impression, en fait, que le modèle, en fait, il est, d'une certaine manière, sentant ou conscient, etc. Mais ce qui est Mais c'est ce qu'on intéressant, en fait, attend de lui, c'est une des choses qu'on lui demande en fait. exactement, c'était dans sa fonction, dans justement cette fonction mathématique. On va, et c'est ce qu'a fait ChatGPT, ce qu'a fait OpenAI, c'est dire, OK, essaye non seulement de prédire du texte, mais aussi de prédire celle qui sera la plus satisfaisante pour l'utilisateur. Et Ouais. là où il y a un embryon, alors justement, on ne va pas faire quelque chose un modèle conscient, on ne va pas faire de la conscience artificielle avec ChatGPT parce que justement, il y a le texte, comme on en a parlé, c'est beaucoup trop limité. Mais il y a ce principe-là qui est de dire, tiens, je vais essayer de prédire les intentions de l'utilisateur. Et Ouais. si je dois prédire les intentions de l'utilisateur, je dois modéliser son esprit. Ouais. Si je dois modéliser son esprit, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, en fait. C'est ce que nous, on a. Je peux modéliser tes intentions, j'arrive à savoir sur le contexte qu'est-ce que tu veux. Et si j'arrive à modéliser l'esprit de quelqu'un d'autre, je peux modéliser mon propre esprit. Et il y a des théories en neurosciences, des neuroscientifiques, qui ont développé une théorie qui dit qu'effectivement, c'est le principe de la conscience, en fait. C'est de se dire, cette théorie de l'esprit, être capable de prédire les intentions des autres personnes. Et donc, bah, c'est ChatGPT et Lambda sont entraînés d'une certaine manière pour faire ça. Donc, on peut se dire, peut-être dans le futur, effectivement, on pourra avoir des modèles qui deviendraient, qui ont une sorte de conscience, Ouais. si on part sur ce principe-là, d'essayer de satisfaire au maximum l'utilisateur. Et parce que aussi donc parce qu'ils sont personnalisés en fait, dédiés à un utilisateur en particulier. Et c'est vrai qu'on doit se loguer, on n'a pas. Et s'il y a une mémoire en tout cas sur les réponses, au bout d'un certain temps, on peut imaginer avoir chacun. Des réponses très différentes de ChatGPT et qui nous concernent et qui nous plaisent et qui nous Oui. font sembler qu'il est humain, quoi. Alors ça, c'est la façon dont ça fonctionne, ça prend une partie du texte du dialogue, en fait. Et justement, ça essaie de prédire les prochains mots. Donc aussi, justement, en essayant d'avoir une réponse qui est satisfaisante pour l'utilisateur. Donc en fait, c'est deux choses qui sont que les gens comprennent peut-être mal. C'est que premièrement, ChatGPT n'apprend pas. C'est-à-dire que son réseau de neurones, il n'est pas modifié. En fait, il semble avoir une mémoire où apprendre, parce qu'en fait, il prend l'historique de la conversation et il prédit la suite. Donc, en fait, si on lui a dit quelque chose précédemment, bah, en fait, il reprend en fait cette phrase-là et il est capable de continuer. Ça donne l'impression d'une mémoire, ça donne l'impression Il a plus de d'apprentissage. contexte en fait. Voilà. En fait, ouais, exactement. Ça, son semblant d'apprentissage et son semblant de mémoire vient en fait du fait qu'il prend le contexte de la conversation pour faire sa réponse. Mais techniquement, il n'y a pas de modification du réseau de neurones. Ce que nous, on recherche, on appelle vraiment de l'apprentissage. Il n'y a pas de modification du réseau de neurones. Et il n'y a pas de mémoire, en fait. Il n'y a pas d'espèce de données spécifiques à l'utilisateur. Donc, en fait, il va s'adapter simplement parce qu'en prenant le contexte de la conversation, il est entraîné pour, d'une certaine manière, s'adapter au maximum à ce contexte-là et donc à l'utilisateur. Ok, super intéressant. Trop bien. Parfait, Nils. Bon, bah, dernière question. Ton livre ou film de science-fiction préféré? Difficile, difficile. J'aime beaucoup Blade Runner, le premier. Alors, c'est pas forcément des choses qui sont liées à des réflexions sur l'intelligence artificielle parce que je trouve pas que il y ait des films qui soient extrêmement pertinents à ce niveau-là. Les répliquants, quoi, en fait. Oui, les répliquants, même si ça soulève des questions, ouais, ça peut soulever certaines questions intéressantes. Et surtout que souvent, les films, en fait, ces films-là, quand c'est lié à l'intelligence artificielle, ça imagine des technologies qui sont tellement en avance qu'en fait, c'est pas forcément tellement applicable en fait, aux technologies actuelles. Mais j'aime beaucoup Blade Runner. J'aime beaucoup Terminator, même si ça fait un mal incroyable à l'intelligence artificielle.
Malheureusement, même Skynet. si voilà, Skynet, c'est ce qu'on nous sort directement, alors que il n'y a rien dans Terminator qui pourrait servir comme ne serait-ce qu'une base intéressante de réflexion. Mais par contre, c'est un film que j'adore en soi, juste purement pour le côté science-fiction. Ouais, Le livre, ça c'est classique, mais les livres d'Asimov, ils sont très bons sur ce point-là. Ah, bien sûr. peut-être, ah si, si, en fait, au niveau film, si je peux donner Bien sûr. un film que j'aime beaucoup, c'est Ghost in the Shell, mais l'anime. Oui, film d'animation japonais Et sur manga. y a un dialogue qui est absolument magnifique et très pertinent. C'est celui qu'a l'intelligence artificielle qui est un peu l'ennemi, qui discute avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Oui. la personne synthétique. Héroïne, bien sûr. Oui, Voilà. synthétique. Avec l'héroïne, effectivement, juste après qu'elle ait détruit le tank. Et il Ouais. lui explique pourquoi, en fait, il a besoin de se répliquer. Et c'est très pertinent parce qu'effectivement, il dit qu'il a besoin de se répliquer parce qu'en fait, il a besoin de diversité. Et pour ça, en fait, il a besoin d'avoir une sorte de pouvoir se merger avec d'autres intelligences artificielles pour pouvoir créer de la diversité, etc. Et ça, c'est très pertinent. Les livres, sinon, oui, les livres d'Isaac Asimov, de manière générale, qui explorent, en fait, les différentes. Problèmes, différents problèmes éthiques, les problèmes, comment dire, Les les problèmes robots, avec le problème des les robots robots. avec toutes les lois des robots, mais au final, on voit que c'est, Exactement. on voit ressortir. Je pense que ChatGPT, l'IA générative, va nous faire nous poser des questions dont, Oui. qui nous obligeront à avoir Les. peut-être à changer les lois, justement, et avoir un nouveau Oui. cadre. Mais les bouquins d'Asimov deviennent pertinents. J'aurais pas pensé que ça vienne aussi rapidement. Ils viennent pertinents dans le cadre de ChatGPT. Parce Ouais. que ChatGPT, on lui a fait apprendre. OpenAI a une base de requêtes qui sont jugées toxiques ou, Bien sûr. comment dire, ou inadaptées. Ouais, Et en bien fait, sûr. toute la question, c'est de faire apprendre à ces modèles des lois éthiques, etc. Et comment décrire des fonctions objectives qu'on va pouvoir leur soumettre lors de l'apprentissage pour pouvoir qu'ils suivent en fait ces guides éthiques. Et bah là, en fait, Asimov, il est tout à fait pertinent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette éthique. Tout le monde n'a pas forcément la même. Et bah, c'est là-dessus qu'on voit aussi que les géants qui créent ces modèles aujourd'hui, les OpenAI, les GAFAM et tout ça, vont avoir un sacré impact dans les années à venir. Ouais, entièrement. Ouais. Super. Nils, un grand merci pour ta Merci à toi. participation à Comptoir AI. Je mettrai le lien vers ta chaîne, vers mes vidéos préférées, Super, qui merci sont vraiment beaucoup. super intéressantes. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir et j'espère qu'on aura l'occasion Plaisir de partagé. le faire une prochaine fois. Merci Parfait, beaucoup. super, merci à toi. Merci Nils. Bye bye. Merci, ciao.